Voilà. Allez, viens. Bon, je tire à gauche, hein. Fais gaffe, quand tu freines celui-là, il va tout de suite tirer à gauche. Ah, je suis un peu mou, moi. T'as vu, ça frotte devant quand je freine. Non, le mieux, c'est qu'on en fasse là-bas, au bas, en bas, non? Je crois pas. On se fait 2-3 petites lignes droites, 2-3 petites courses. Tu veux faire un peu? Tu fais attention aux gens. Hein. Ça en douceur. Vas-y, saute là, vas-y. Vas-y, refais-le. Il y a une bonne petite prise d'air. Bien, l'amorti, vas-y, encore. Un peu plus vite. Alors, t'arrives pas à le conduire? Oui. C'est pareil, hein, après. Il est plus brutal, mais il est qu'en 4S, le IMAX. Hein. Tiens. Attention au bébé. Le trim, il est pas ouf, t'as vu, il tire un peu à gauche. Hein. Attention aux gens. Fais attention. Ouais. J'ai pas envie d'avoir un problème.
un bébé à l'hôpital, tu vois. On est d'accord. Hein. Je lui dis de faire attention vers le bébé là-bas, parce que s'il envoie ça dans les pieds... Eh oh, recule toi. Tu vas plus vite en 6S, hein. Y a rien à faire. Alors, descends un peu. C'est dommage, il n'est pas plus haut au trottoir là. Il est plus facile à conduire. Il est largement mieux. On t'habitue pas trop parce que va falloir remonter le stampede. Si tu veux sauter, faut prendre là. Il est mou, hein, là. Il est mou, hein. Pourtant, j'ai mis des ressorts deux fois plus durs que les autres. Hein. Fais gaffe au trottoir.
Comme si tu roules à fond, tu freines d'un coup, ça va frotter. Mais bon, je peux durcir un tout petit peu en resserrant les ressorts, tu sais. Fais gaffe, il y a des gens là-bas. On fait un départ arrêté après. Ouais, mets-toi à ta ligne. Tu comptes. T'es sur la trail, ouais. C'est en faisant des trucs comme ça, fais gaffe, ça les ressorts sont quand même plus durs qu'avant. Hein. Il est un peu mou, mais les ressorts sont quand même plus durs qu'avant. Ah, un autre il est arrivé. Il tourne bien le ventilo en fait. Ouais, il évite pas comme celui-là. Celui-là, les 4S, on a plus tourné avec. Et maintenant, je vais plus vite que toi. Alors que les batteries, elles sont plus vieilles. Tu vois comme quoi le Castle, le Vario, faut que je m'en rachète un autre et que je le foute dans les Revo. Non, mais tire pas dessus maintenant que t'es en coupure, c'est bon. Ramène-le là, ça sert à rien. Faudrait presque les refoutre là-dedans, mais tu vois, j'ai toujours pas fini les 4S. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on va y aller. C'était juste pour faire ça, quoi. Un dernier burn. Enfin, un dernier wheeling. Il y a toujours de la gouache là. Ouah. T'as plus assez de gouache toi.
Merde. Oh le ouf. Pas mal, garé sous la caisse. Ah j'y crois pas à celle-là. Comment on arrive, c'est vous là. Tu lèves, tu tires en arrière. Oui, mais. Là, tu débranches. C'est un ventilo de ouf, ça. Hein, on va voir si ça a chauffé. Non, mais il fait le boulot. Hein. Franchement, le moteur, il est pas chaud. Vu qu'il a tendance à chauffer avec les lignes droites qu'on a fait et tout. T'as vu, on laisse les doigts dessus. Il est à 35 degrés, même pas le moteur. Le vario, il a aussi chaud que le moteur, presque, même pas. Papa, tu voulais faire des exercices à la manana, hein. Comment ça? C'est vrai?